Donc on va mettre les muses. Normalement, je suis en face des muses là. Oui, je l'avais prépé. Hein. Normalement. Non, le casque avec la crête qui fait. Ah! Ah, dans le coin! Mais je suis trop bête. Je sais que. En... J'oublie que c'est là en fait. C'est-à-dire que oui, c'est là. Mais en plus, moi, comme mon micro il est un peu dans le champ de vision, j'oublie quoi. Bah en fait c'est une jauge de d'énervement on va dire. Et c'est ce qui permet de déclencher le truc que j'ai déclenché tout à l'heure. Tu sais où je suis devenu tout bleu et ultra puissant là, à la fin du boss. À la fin, juste avant que je mette le dernier pieu là. C'est vraiment, c'est le mode je suis énervé quoi. Alors dans ce jeu là il est pas forcément très bien représenté, en fait c'est juste une capacité, c'est juste un pouvoir quoi. Mais dans les autres God of War, quand tu l'actives, déjà il est différent. Là, c'est, on va dire, c'est la rage athénienne. Dans God of War 2, c'est la rage spartiate, par exemple. Et je crois que ça reste d'ailleurs dans tous les God of War après, la rage spartiate. Et là, vraiment, rage spartiate, vraiment, quand tu... il s'énerve. Et dans le dernier, encore plus dans le dernier, tu peux même plus le faire toi-même. C'est juste dans l'histoire du jeu, dans le tout dernier God of War, dans l'histoire du jeu, ça lui vient tout seul. Tu peux plus le faire. Et quand ça lui vient, tu comprends en fait. Bah si, après, si, tu peux le faire, mais c'est un... Si, mais c'est... Il est énervé. C'est tout ce qu'il y a à retenir, ok. Si, on peut le faire, ouais, dans le... Je viens de me souvenir. Mais, voilà. C'est solide. Ok... On ne sait pas ce que c'est, toutes ces fontaines. Donc en gros, dès que la jauge est pleine, tu vois, dès que la crête est entièrement colorée, eh bien, c'est la guerre. Ok, merci. Oui, de rien. Les dieux ont bien caché la boîte de Pandore, mais ils sont cléments. Utilisez sable magique offert par les Olympiens pour augmenter vos chances de toucher au but. Pathos Verdes 3, architecte en chef et loyal sujet des dieux. Loyal, mais on a vu que pas trop quand même, hein. Il commence à... Hein ? Il a du mal à finir celui-ci. C'est ridicule. Zeus vous confère le don de l'expérience, que vos capacités dépassent celles de tout mortel ou de toute bête. Moi, j'ai juste une seule chose à dire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, mais c'est un... Ah, mais ouais, c'est vraiment bonus. En fait, les muses, on aurait pu vraiment ne pas les récupérer. Je me sens comme un dieu, là, alors, avec tout ça. Oh, mais c'est tellement bien, alors. Ah, bah ouais, pour faire le 100%, on est obligé. Zeus vous confère le don de la magie, que vos ennemis tremblent devant votre pouvoir nouvellement acquis. Ah mais c'est ça là, je me disais bien qu'on pouvait faire encore plus. Mais en fait c'est parce que le seul moyen d'avoir plus c'était d'arriver dans ce truc ultra secret. Oh je suis un dieu, autant le deuxième il était plutôt facile à attraper au niveau de la muse là. Sur les poutres tout à l'heure, en vrai ça va. Mais autant le premier par exemple. C'était un peu plus... Bah ouais non, ouais non. Non, en fait les deux étaient... Oh là là. Oh my god. Oh, dude. Attendez, je vais être créateur de contenu quelques instants. Oui, je ne l'étais pas encore. Attendez. Attention, ma fenêtre est ouverte, les voisins vont pleurer alors qu'ils doivent être en train de dormir. Voilà. Continuons. Je sais même pas quelle tête j'ai faite. Vous savez que mes têtes, je les aime tellement, je sais qu'elles sont exceptionnelles, hein, que tout le temps, j'aimerais avoir mes têtes, parce que mes meilleures têtes, bah, je peux pas les voir. Puisque mes meilleures têtes, c'est vraiment... Il faut tout le corps. Fais le visage. Et le problème avec ça, c'est que si tout mon corps y va, bah, je n'ai plus utilisation de mes yeux pour me regarder dans le retour OBS. Donc je ne sais pas à quoi je ressemble. J'aimerais tellement le savoir.
Replay voisin, ouais. En vrai, j'ai pas crié fort. Puis ça a pas duré longtemps. En vrai, normalement, j'aurais fait pire. J'ai vraiment fait peu pour éviter. Voilà. Ça va. J'étais raisonnable. C'est stylé comme ultra secret. Dans tous les autres God of War, il n'y a pas des secrets de la muerte comme ça. Ça se voit que c'est un vieux jeu. Donc il n'y a vraiment pas de porte derrière, il n'y a rien. On est d'accord. Oh non! Est-ce qu'il y a deux trous par exemple? J'ai besoin de cette information, je suis désolé. C'est l'autisme qui frappe encore, hein, mais... Il n'y a qu'un seul trou. Vous savez, moi les trous, ça me fait peur. Peu importe, hein. Chaque trou divers et varié, hein. Aussi différent soit-il. Hein. J'ai peur. Oh non. L'emmener devant la porte. Elle était où la porte? Est-ce qu'elle était pas sur le truc de base? Non, non, forcément que non. Elle est là. Mais le problème, c'est que si je fais ça, l'autre, il ne va pas suivre, en fait. Ok, ok. Non, c'est easy, hein. C'est easy, y a pas de problème. Juste que je retourne... Oh, c'est nouveau, ça. Ah non. C'est faux. Oh, Préparez-vous, c'est chiant. c'est juste chiant, ce qui est en train de se passer. Je sais exactement ce qu'il faut faire, mais c'est juste que... Chiant, voilà. Donc faut commencer par l'étage le plus loin pour que ce soit moins... Voilà. Donc il est là. Ah, il y a 1000 ronds, mais j'avais jamais fait attention qu'il y en avait autant. Comment ça se fait qu'il y en a autant? En tout cas, je suis heureux, hein. Je me disais bien que dans le jeu, c'était bizarre. L'épée, elle est trop grande. Hein. Donc forcément qu'il y avait plus de vie. Donc quand tout à l'heure, ils m'ont dit que ma vie, elle était à fond, j'ai eu succès. Je m'eus posé beaucoup de questions. Donc je comprends mieux. Ça, c'est que plus c'est petit, moins il y aura besoin de tourner pour avoir ce qu'on veut. Hein. On peut essayer de voir ça comme ça. Ah putain! c'est celui-là ou pas? Je me souviens plus. C'est pas celui-là, hein, si? C'est clairement pas celui-là, hein. Mais pourquoi il y a des ennemis? Ah si si si, pardon. C'est celui-là. Pardon. Ok. Donc ça c'est bon. Du coup là c'est ouvert. Bah du coup c'est ouvert, donc ici il n'y a pas besoin de tourner. Ici il faut tourner. Je dois faire tout le tour puisqu'il est juste après. Hein. Super. Ah mais c'est celui-là, c'est... on est à l'intérieur là, non? Ah non, oh là là. Ah ouais, le bordel. Hein. Ça c'est du gameplay. Comment faire gagner une heure de vie de jeu au jeu? Imaginez quelqu'un qui est vraiment bloqué, quelqu'un, imaginons, de trisomique en fait. Il comprend pas ce qu'il faut faire. Hein. Combien de temps ça dure en fait? Ça dure 1000 ans. Ça doit être insoutenable. Hein. Oh, c'est stylé.
Par contre, voilà, on était tellement loin que ça... Ah, putain. Ça a mis des pixels d'image. Ok, ok, ok. J'ai beaucoup aimé la ligne droite, elle est super belle. De ne pas avoir sauvegardé. Je regrette amèrement. J'aurais dû sauvegarder. Non, c'est bon. C'est bon, je regrette pas, je regrette pas. Je suis vraiment un professionnel. Bah, j'ai de la chance. Imaginons que ça aurait été par exemple une cinématique buggée qui corrompt les données ou qui fait crash le jeu, bah il n'y aurait pas eu de sauvegarde. J'aurais dû faire refaire tourner tous les ronds. Vraiment un régal quoi. C'est somptueux. Ah, ils ont remis l'image, regardez. C'est encore un PNG. Oh les filous. C'est bien fait quand même. Hein. Ça m'énerve à quel point les images sont bien mises. Votre avancée est impressionnante, Kratos. Mais attention. Une fois parvenu au niveau supérieur du temple, vous ne pourrez revenir sans la boîte de Pandore. Oh. Tandis que Kratos progressait dans le temple protégeant la boîte de Pandore, il réalisa que ce monument célébrait non seulement les dieux de l'Olympe, mais aussi la folie du mortel qu'il avait conçu. Il avait conquis les niveaux inférieurs, mais ce qui l'attendait en haut allait être une épreuve, même pour le plus brave des guerriers. J'ai très peur. Parce que je vois pas trop ce qu'il y a à faire en haut, il n'y a pas beaucoup de place, quoi. J'ai peur. Je pense que ça va être un truc cinématique. Ça va pas être à moi de... Ça va être dans le lore, quoi. Ouais. Il faut sauter, non? Non, ça va. Ok. Wow. Bah si, en fait, il y a plein de trucs. Oh non. Un vieux souvenir, cela. Oh non. Oh non, pas eux. Oh non. Oh. Je crois qu'ils y sont dans God of War 3, c'est pour ça que... Non, ou dans le 2? Non, dans le 3. Dans le 2, y'a pas ça. Je crois qu'ils y sont dans le 3. Là, ça va, je roule dessus, mais... Je pense qu'il y en a plusieurs, plus d'autres ennemis... Ça peut être horrible. Lui plus une méduse par exemple, à mon avis. La chèvre et le chou. Ok. Je suis content sur le jeu, il me ressoule plus. À un moment donné, j'ai vraiment été très haineux. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, mais bon, c'est mérité quoi. Voilà, enfin, c'est mérité. Je suis légitime en tout cas à m'être énervé, mais j'aimerais ne pas m'énerver quoi. Donc là ça va mieux, ça fait longtemps que ça va mieux, ça fait quelques heures de jeu là. Quelques heures sans S, ok. Quelques heures au singulier et dizaines de minutes au pluriel. Je crois. Donc bon, ça va mieux. Faut se dire qu'il y a une heure, j'ai été dans le labyrinthe, hein, le fameux labyrinthe où je savais pas combien de temps de jeu il me restait. C'était il y a plus d'une heure, je crois. Il n'y a que ce que vous avez déjà conquis, Kratos.
La boîte est devant. Et Athènes attend votre retour. Donc, il reste pas grand-chose, globalement, normalement. Normalement, on est à la fin. Donc, ce qui est très important, c'est que vous n'oubliez surtout pas que l'eau, c'est la vie. Alors, buvez, c'est très important, merci à vous. Oh, voilà, petit lag. Le live ? Non. Non, tu me fais peur. Non, pas le live. C'est pas moi, ça vient pas de moi. Non. Non, pas moi. Pas. Je bois avec toi. Merci, mais le bug, c'est pas moi, j'espère, c'est toi. Kratos était au service des dieux depuis suffisamment longtemps pour savoir que la harpie était un avertissement envoyé par son ancien maître dans l'unique but de lui rappeler la décision qui lui avait tout coûté. S'était-il écoulé tant de temps depuis qu'il avait failli mourir aux mains des barbares? Depuis le jour où il avait choisi de tout sacrifier pour sauver sa peau? Arès! Les cieux se déchirèrent et le dieu de la guerre apparut. Descendant de l'Olympe, il décerna un potentiel divin dans ce simple mortel. Arès allait sauver Kratos. Il allait le transformer en parfait guerrier et en faire son serviteur sur Terre. Un simple serment de loyauté lui fut demandé. Ma vie est vôtre, Arès. À compter de ce jour, j'exécuterai votre volonté. Et son destin fut scellé. Comme promis, Arès sauva la vie de son nouvel élève, déchaînant sa puissance divine. Il détruisit ceux qui s'apprêtaient à tuer Kratos et ses hommes. Quant à Kratos, il fallait un armement spécial au tout nouveau serviteur du dieu de la guerre. Les lames du chaos, forgées dans les profondeurs des enfers. Une fois attachées, les chaînes restaient scellées dans les chairs du porteur et faisaient partie intégrante de son corps. Un rappel permanent du serment de Kratos. En échange, il avait reçu la puissance ultime. La fureur d'Arès se déchaînait en lui. Mais bientôt, il apprendrait le véritable prix d'une telle puissance. Un prix trop élevé, même pour quelqu'un comme Kratos. Maudite bête! Je sais à qui tu obéis. Va voir ton maître. Dis au dieu de la guerre que je ne lui appartiens plus. Dis-lui qu'il est en danger tant que je suis sur Terre. Je trouverai la boîte de Pandore. Et je m'en servirai pour le voir trembler et s'effondrer devant moi. Magnifique. C'était la plus belle cinématique de tout le jeu. C'est absolument incroyable. La puissance du lore, en fait. Ok, ok, très bien. Bon, bah, je sais pas si tu m'entends, du coup, Jukino. Bah j'espère que t'as pas trop regardé et tu t'es bouché les oreilles quoi. Parce que là t'es un peu la base du lore de Kratos en fait. Mais bon à mon avis tu t'es un peu tout spoil. Les falaises de la folie se trouvent devant vous. Dans mon chagrin, je crains d'avoir conçu un labyrinthe sans sortie. Que les dieux, durs et cruels, vous montrent le chemin. Kratos Verdes 3. Autrefois, loyal sujet des dieux. Donc il ne l'est plus. Et oui. Il a abandonné.